Bon, je pense que vous l'avez remarqué, on est actuellement dans la base secrète à Jigsaw, l'endroit où on a été capturé avec ma fille Lola. Et attention, parce que comme vous le savez, aujourd'hui Jigsaw va être de nouveau de retour pour cette vidéo. Et attention, on s'attend à une vidéo vraiment incroyable, parce que j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui on allait devoir tenter de survivre à des pièges ultra mortels. Et attention, parce que Lola, Jigsaw a dit comme quoi il allait avoir un invité très spécial pour cette vidéo. Donc voilà, je sais pas trop avec qui est-ce qu'on va faire ce petit jeu, parce que comme vous avez pu le comprendre, si jamais on doit survivre à différents pièges, c'est qu'il va y avoir une sorte de petit parcours dans cette vidéo. Donc franchement, je pense qu'elle va vraiment être géniale. Donc c'est pour ça que dès maintenant, je compte sur toi pour que tu regardes bien la vidéo jusqu'à la fin, parce que tu vas voir qu'il va se passer vraiment des trucs de ouf. Et attention, parce que dans cette vidéo, il risque aussi, pourquoi pas, enfin potentiellement, d'y avoir des morts. Donc si jamais tu veux découvrir qui va mourir dans la vidéo, regarde-la bien du début jusqu'à la fin. Tu vas découvrir un petit peu tout ce qui va se passer. Et attention, parce qu'il va y avoir aussi des secrets qui vont être dévoilés sur Jigsaw. Donc franchement, elle pourrait vraiment être super intéressante cette vidéo. Je compte sur toi pour la regarder jusqu'à la fin. Et puis si tu ne l'as pas encore fait dès maintenant, je t'invite à ce que tu t'abonnes à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification, voilà, qui se situe juste à côté du bouton s'abonner. Un grand merci à tous ceux qui le font chaque jour. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'activer. On est bientôt aux 700 000 abonnés, les amis. C'est vraiment énorme. Un grand merci à vous tous. Ça me fait trop plaisir. Et dès maintenant, n'hésitez pas à mettre aussi, pourquoi pas, un gros pouce bleu, les potes, parce que plus il y aura de likes et plus du coup, je me vengerai quand on arrivera à se libérer de chez Jigsaw, parce que à mon avis, ça risque de pas être pour aujourd'hui qu'on se libère de chez Jigsaw. Attention les potes, aujourd'hui le défi c'est de tenter de s'abonner et de liker en moins de 5 secondes. Alors attention, le défi va être assez compliqué. Et du coup Lola, dis-moi, avec quoi est-ce que les abonnés aujourd'hui ils vont devoir tenter, avec quoi ils vont devoir tenter de s'abonner et liker aujourd'hui Lola? Avec leur menton. Avec leur menton. Waouh les amis, donc dès maintenant vous avez entendu, vous allez devoir tenter aujourd'hui de vous abonner et de liker avec votre menton. Et si vous arrivez à le faire, c'est que vous êtes très fort, parce que franchement, je pense que le défi risque d'être vraiment compliqué. Alors moi personnellement, c'est bon, moi j'ai réussi à liker avec le menton, nickel. Bon, bah à votre tour d'essayer maintenant. Et du coup voilà Lola, ce que je disais, c'est que tu penses que qui va être notre invité mystère pour la vidéo d'aujourd'hui, toi? Tu penses que qui va être dans cette vidéo? Je sais pas, j'ai l'impression que ça va être Slenderman. Tu penses que Slenderman va faire les parcours mortels avec nous? Ah, moi je sais pas, il est grand, il a des grandes jambes, peut-être ça va. C'est vrai qu'en effet, oui, il a des grandes jambes, etc. Et il pourrait même nous être utile, mais moi je pense pas forcément que c'est Slenderman. Je pense plutôt à une sorte de petite victime, tu vois. Genre, bah du coup, moi je pense pas à un monstre, je pense plutôt à une victime. Donc, qui pourrait bien nous aider pour ce parcours là? Et si ça serait par exemple Zacharias, je sais que c'est un petit loulou et tout, peut-être que ça pourrait être lui. Ouais, en plus, c'est vrai que c'est une petite victime. Non, en vrai, de vrai, Zacharias, c'est vraiment le sang, parce que les potes, Zacharias, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui livre tous les t-shirts de la boutique de vêtements. Et d'ailleurs, vous savez que dès maintenant, il y a ma toute nouvelle boutique qui est actuellement disponible. Et attention, parce qu'elle est disponible que pendant très peu de temps, parce que c'est une édition qui est exclusive pour Noël. Et comme vous avez pu le voir, toujours les colliers à temps. Il lève les colliers à temps. Bon, on fait pas trop le mal avec Zacharias, parce que regarde, il a son taser dans la main. Donc waouh, non mais oui, me tape pas. Moi j'ai rien dit sur toi. Moi j'ai pas dit que t'étais une victime, moi. Regarde en haut, j'ai tasé en haut, moi. Ouais, bah tu veux pas plutôt taser Jigsaw pour qu'on soit libre? Ce serait mieux, non? Oui, non, je pense pas qu'il va y arriver. Bref, dès maintenant, n'oubliez pas qu'il y a ma boutique de vêtements en première ligne de description. Un grand merci à toutes les personnes qui commandent des produits chaque jour. Voilà, pour aller sur la boutique, c'est très simple. Soit tu vas sur le premier lien en description, ou alors sinon, tu tapes sur Google boutique Spring Twinner et puis tu entres sur le site. Merci à toutes les personnes qui commandent. Vous pouvez retrouver des t-shirts, des suites, des coques de téléphone, des mugs, des coussins, des il y a trop plein de trucs. Et franchement, moi, j'ai acheté plein d'articles de la boutique, parce que franchement, j'ai trouvé trop stylé. Donc, toutes les personnes qui commandent, il y a actuellement moins 10% avec le code Noël10 ou le code Twinner10 pour ceux qui le souhaitent. Un grand merci à toutes les personnes qui commandent. Et en plus de ça, les 100 premières commandes qui seront passées aujourd'hui, et bah vous allez avoir une petite surprise dans votre colis qui sera faite par Zacharias. Zacharias, bah tu nous laisses la surprise, hein. Ouais, et aussi peut-être que vous avez une chance de passer sur ma chaîne, toutou. Et ouais les potes, peut-être que vous aurez aussi les amis une chance de pourquoi pas faire une vidéo avec moi et Zacharias, parce que Zacharias aussi il fait des vidéos quand il livre les colis. Et vous avez... on est d'accord que tous les abonnés qui reçoivent les colis, ils ont toujours le grand sourire aux lèvres, ils sont trop contents de recevoir leurs produits, hein. Ah oui, ils sont toujours contents, en plus ils sont contents de me voir. Et en plus ils sont contents de voir Zacharias, parce que les amis, voilà, Zacharias de Tuner, c'est vraiment le boss. Bref, bah écoute Zacharias, je te laisse aller livrer tes nouveaux colis. Et en plus, bah pourquoi pas faire une petite vidéo pendant la livraison des colis, d'accord? Ouais. Allez, à plus Zacharias de Tuner, c'est bon, on va le laisser livrer, il est très content, allez, va vite livrer, bon, les amis, voilà. Arrêté, là. Allez, Zacharias, c'est bon, tu peux aller. Attends. Bon, Lola, maintenant
qu'on a fait la présentation de la boutique, qu'on a parlé un petit peu de tout ce qu'il fallait faire pour s'abonner, etc. Je crois que Jigsaw ne devrait pas tarder à arriver. Je crois qu'il arrive sûrement à l'étage numéro 0. Il arrive ! Oula, il arrive ! Il arrive ! Chut ! Salut, Twinner ! Oh, bonjour, Jigsaw ! Bonjour, Jigsaw ! Alors, comme ça, t'as réussi à t'évader ? Tu parles de la dernière vidéo. Oui, c'est vrai que quand j'ai fait le combat face au capitaine cosmique, c'est vrai qu'en effet, j'ai vraiment réussi à lui faire du sale. Donc bon, on va pas se mentir, j'ai réussi à survivre. Bon, lui il est mort malheureusement, mais moi j'ai réussi à survivre et donc c'est le principal. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que t'es là du coup, Jigsaw? Qu'est-ce qu'on devait faire? Aujourd'hui, je vais vous emmener sur l'étape numéro 3. Elle est extrêmement dangereuse. Je crois pas que vous allez réussir à y survivre. Attends, quoi? On va aller à l'étape numéro 2 du... Mais attends, mais c'est quoi l'étape numéro 2? Explique-moi un petit peu plus en détail. C'est là où il y a tous les monstres qui vont vous attaquer. Hein? Attends. Et un énorme jump. Oh, les amis, apparemment dans cette vidéo, il va y avoir un énorme jump qui va du coup se dérouler dans la vidéo. Donc regardez-la bien jusqu'à la fin parce que je crois que ce jump va nous mener tout simplement à l'étape numéro 3. Alors, je sais pas si on va réussir à survivre à ces différentes étapes, ça risque d'être vraiment très très galère, mais on va tout faire pour y réussir. Ce sera les jumps, genre ce sera des jumps avec des fleurs, des jumps stylés, ça va être quoi comme jump? Non, pas du tout, un jump. Oula. Avec plein de lave partout, totalement hardcore, tout le monde va mourir. Quoi? Attends, quoi Jigsaw? Mais ça veut dire que si jamais on touche la lave et qu'on tombe dans la lave et tout, on va mourir pour de vrai? Vous allez mourir. Non, je veux pas faire le jump, je veux pas... Hein? Non, bah... Mais oui, pourquoi tu fais ça, Jigsaw? T'es vraiment... Mais t'es fou dans ta tête! Restez tranquille si vous voulez pas mourir! Jigsaw, tu te rends compte que là, tu peux faire potentiellement du mal à une petite de 8 ans? Hein? Attention! Ah! Oula! Non! Si j'aimais pas autant vous voir souffrir, je l'aurais déjà tiré une balle dans la tête! Non, mais Jigsaw, s'il te plaît! Non, mais t'es vraiment fou! Les amis, il faut vraiment que tout de suite vous vous abonniez à la chaîne et que vous mettiez un gros pouce bleu pour qu'on trouve un moyen de tuer ce monstre, les amis. Je pense qu'on fera potentiellement une prochaine vidéo quand je deviendrai un petit peu plus fort et pourquoi pas que je tuerai le roi des monstres parce que j'ai cru comprendre comme quoi apparemment il aurait le roi des monstres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fera donc le combat final entre du coup toute la team du roi des monstres et face du coup au monstre que le docteur Maboul a créé, c'est-à-dire Jigsaw, Annabelle, Salo Clown, Siren Head et Chucky, et je crois qu'il y avait d'autres personnages, je sais plus c'était qui. Mettez-moi dans les commentaires quels sont les monstres à vous qui vous font le plus peur tout de suite. Et bah du coup bah Jigsaw, bah quelle est la surprise? Apparemment tu m'as dit comme quoi il y aurait un invité aujourd'hui pour ce parcours. Suivez-moi. Bon, on avait mis une petite pièce sur Zacharia, mais je crois que c'est pas lui, non? Bon, on va découvrir qui est cet invité un petit peu mystère. Alors, on va voir ça dans quelques instants. Oh, regardez, Toutoui dormir là-bas. Mais c'est Toutoui, il dort. Mais bougez pas, réveille-le. Oh non, lui mets pas de coup de taser. What? Il a tasé mon fils. Réveille-toi, je te dis. Il a tasé mon fils, les potes. Mais wesh. What? Il est mort, les gars. Allez pote, y'a mon fils qui est en train de se faire taser par Jigsaw. Ah, coucou Jigsaw, coucou Twitwi, comment ça va? Salut parent. Jigsaw, t'as vu ce que tu fais à mon fils? Il m'a pété dessus. Il a vomi à cause de toi. Va occupe-toi de ton fils. Tu m'as pété dessus. Ok, bon, Twitwi, dis-moi, comment est-ce que Jigsaw t'a capturé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va faire une semaine qu'on t'a pas vu maintenant, Twitwi, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé dans l'ascenseur, après je suis descendu en bas, après je suis allé en haut, après je suis descendu en bas, après je suis allé là. Ah ouais, d'accord, c'est vrai que les amis. D'accord, ok. Bon, les amis, comme vous le savez, Twitwi, il est resté dans l'ascenseur pendant très très longtemps et donc du coup, bah j'imagine qu'il a dû en voir passer des monstres et notamment, il a dû aussi voir beaucoup d'étages dans cet immeuble. Donc dis-moi à peu près combien. Dis-moi combien t'as compté d'étages dans cet ascenseur là pour qu'on puisse découvrir un petit peu. Je sais pas, il y en avait beaucoup, mais attends papa. Quoi? Il y avait un monstre, il était pas comme les autres. Il ressemblait à quoi à peu près? Décris-le-moi pour que l'on puisse savoir. Il était gentil avec moi, il avait une couronne et il était très grand. Hein, mais qui ça peut être, les amis? Un gentil monstre avec une couronne et très grand. Oh, mais imaginez que ce serait le roi des monts. Non, mais lui il est forcément méchant lui. Mais imaginez. Non, il s'appelait The King. The King. Ça veut dire le roi. Ah, le roi. Le roi de quoi? Mais c'est le roi de quoi? Le roi des monstres?
Je sais pas s'il était pas humain en tout cas. Bon, eh bien les potes, comme vous avez pu le comprendre, apparemment il y a un roi qui est supérieur à tout le monde dans cette cet ascenseur, enfin plutôt mais dans lui, cette il est gentil, faut dans pas ce, le tuer. Dans ce laboratoire secret. Alors je pense que il t'a tendu un piège parce qu'à mon avis le roi démon ça va être le plus vilain, tu vois. Donc bref. Eh ben non, écoute, c'est le plus gentil justement, il veut m'aider, il veut tuer tous les autres. Alors t'as mis ça dans le cerveau, attends, tu voulais t'aider, attends, mais ça se trouve c'est vrai ce qu'elle est en train de dire, ça se trouve que The King il arriverait peut-être pas à tuer tous les monstres de lui-même, mais peut-être que si jamais on lui file un coup de main, il arrivera à tuer oui, tout le monde. Voilà, c'est ça. Bon bah écoutez, il m'a dit qu'il avait besoin d'une armée. D'accord, et bah écoutez, tu sais quoi, si jamais on arrive à s'évader de ce laboratoire là, on va tout faire pour mettre en œuvre avec mon ami Ben, tu sais Ben qui est dans le couloir là, pour tenter de pour tout faire pour tuer tous les monstres ben qui nous attaquent chaque jour. Là. Ouais, Benjamin, tu vois, donc ça va être cool. Bon, et bah du coup, il est où là? Il est où, Jigsaw? Parce que là, il devrait arriver, non? Parce que voilà, ça va faire quelques... Il est là. Il est là. Allez, venez, on arrive. Allez, c'est parti, venez, bon. Si je... Non, moi, je dors sur la chaise encore. Alors, qu'est-ce que... Oula. Oh, what? Mais t'es fou ou quoi? Jigsaw, tu refais ça encore une fois, tu vas voir que je te colle une baffe. Qu'est-ce que tu vas faire? Non. Bon, d'accord, ok, je sais. Il va pas aussi, c'est à cause de lui, bon. Regarde lui, il l'écoute pas. Je sais pas si je te colle une baffe, mais voilà. Bon, tu pourras pas me viens ici, je te dis. Je te conseillerais d'écouter Jigsaw parce que je pense que tu sais pas. Tu veux pas mourir, viens ici. Voilà, c'est mieux pour toi. Bon, et bah écoute, ici. Allez, c'est parti, on rentre tous dans l'ascenseur. Oh. Pas encore ici. Allez, à plus tard. Quoi? Non, mais wesh, Jigsaw, rouvre la porte, ouvre, Jigsaw. Les amis, les enfants, on est enfermés dans l'ascenseur, oui. Qu'est-ce que... Ah, il est en train de descendre, il descend. Oh, mais je sais pas si j'appuie ici. Alors, non, ça va arrêter l'ascenseur et ça va appeler les secours. Enfin, ça va pas les secours, mais ça va appeler les monstres, ils vont savoir qu'il y a du bruit. Ah non, alors je bon. Touche pas. Eh bien les amis, du coup, on va attendre un petit peu dans cet ascenseur, découvrir un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer, etc. Voilà, avec tous les deux, dans tous les cas, on va découvrir ça dans quelques instants. Et avec Lola... Les amis, je sais pas où est-ce qu'on est actuellement, mais l'ascenseur vient allez, de s'arrêter. Jigsaw, mais comment t'as fait pour de nouveau être ici, toi? N'oublie jamais que c'est mon laboratoire. Les portes... Et maintenant, retourne-toi. Les portes se sont ouvertes, les amis, vous avez pu le voir. Oh, ça, mais les amis, mais c'est quoi ce jump de ouf? Mais attends, mais on va tous mourir là-dedans. Mais Jigsaw, on va mourir si on rentre là-dedans, Jigsaw. À plus tard. Non, Jigsaw. Hey, ouvre la porte. Attends. Appelle l'ascenseur. Non, moi je veux pas faire ça. On va tous mourir. Mais attends, mais les enfants. Non. Attends, on n'y va pas maintenant. Bon. Eh bien les potes, bon, eh bien les potes, je crois que vous avez pu le comprendre, on va avoir un énorme parcours de jump à réaliser. Alors voilà, je sais pas trop exactement sur quelle longueur est-ce qu'il s'étend. Alors tout de suite, s'il te plaît, commence pas à faire le malin maintenant parce que le parcours, je pense qu'il va être vraiment vraiment long. Bon écoute, tout de suite, ce que je te propose, c'est que maintenant tu reviennes par ici là, tu vois, tu te mets là et je vais aller voir un petit peu tester le jump pour voir s'il fait vraiment peur ou pas. Je te demande pas ton avis, viens tout de suite ici. Un adulte. Tweet. Attends, j'arrive. Non, tout de suite, tu descends, tu montes tout de suite là. Allez, vas-y, saute. Wow, ok, c'est bon. Nickel. Voilà, reste là, s'il te plaît, maintenant. Je vais aller tester un petit peu le jump. Donc, c'est parti. Alors, les enfants, restez bien derrière moi, d'accord? C'est moi qui reste tout le temps devant. Et vous, les enfants, vous me suivez, d'accord? Je vais te pousser comme si j'aurais ta chaîne YouTube. Alors, tout de suite, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Désolé de te le prévenir. Et en plus, bon. Écoutez. Les enfants, si jamais vous tombez par hasard, bah, du coup, sur les blocs de Nether, tenez. Déjà, si vous tombez quelque part, essayez de mettre des blocs en dessous de vous, juste au cas où, hein, on sait jamais. Et je vais vous rattraper ensuite avec la canne à pêche qui vous permettra de, hop, comme vous avez pu le voir, hein, de bouger comme ça et c'est franchement rien, là... ça sert à rien. Mais si jamais tu tombes ou quoi, au moins je sais que je pourrais venir te sauver. D'accord, Tutui? Attends, peut-être il y a ça, il va revenir. Non, il va pas. J'ai essayé d'appuyer sur ce bouton, l'ascenseur il est en panne, il marche plus du tout. Donc bon bah voilà, c'est vraiment mort pour ça. Et il viendra pas, donc allez, c'est parti. Bon, je vais commencer à faire le jump pour voir. Jigsaw? Ah, les amis, regardez, il y a Lola qui a dit go papa. Allez, c'est parti, je vais essayer directement de faire le jump. C'est parti, 3, 2, 1. Allez, c'est parti, let's go. Ouais. Donc, premier jump réussi, on va directement tenter le deuxième. Hop là, ok, nickel. Bon, attendez, les enfants, je vais aller voir un petit peu. Okay. Bon, le jump il a l'air d'être vraiment, vraiment long, les enfants. Donc, bah, je pense que on va faire chacun un bloc un par un. Allez, Tutui, c'est à toi de jouer là. Ok, un par un. Allez, Tutui, c'est à toi de briller là. Yes, t'as réussi. Allez, vas-y. Allez, attends, bah, du coup, c'est à moi d'avancer. Bah, là, du coup, c'est à moi d'avancer de 1. Hop là, nickel. Allez, Tutui, t'avances. Allez, Tutui, vas-y, avance, Tutui. Allez, mais non, c'est à toi d'avancer. Tu
Tu peux faire, sinon tu vas mourir. Allez, Judy, tu peux le faire. Allez, vas-y, 3, 2, 1, let's go. Yes, il a réussi. C'est bon, parfait. Les potes, voilà, voilà. Lola aussi a réussi. Bon, alors je vais essayer d'avancer de 1. Ok, nickel. Vas-y, Toutoui, à ton tour, à ton tour. Allez, essaye de me faire. Attends, je veux pas y aller. Allez, allez, fais pas la chouchotte, Toutoui. Eh, waouh, les potes, wesh. Qu'est-ce qui s'est passé, Toutoui? Il est passé où? What? Ah, mais t'es là? Ah, c'est bon, il est là, regardez-moi ça, il est juste à côté. Tiens, bah tu vois que la canne à pêche, ça va être utile. Tiens, Toutoui, allez hop, monte. Allez, accroche-toi, accroche-toi. Allez, accroche-toi, Toutoui, c'est bon. Allez, accroche-toi, Toutoui. Accroche-toi. Allez, vas-y, Tadon, on va canne à pêche un petit peu vers la bataille. Voilà, tu vois, Toutoui? Eh, la canne à pêche, elle est utile, donc voilà, faut pas la dénigrer ou quoi. Allez, Lola, c'est à ton tour maintenant, Lola. Allez. 1, 2, 3. Yes, nickel. Attends, c'est le début, c'est froid. Attends, comment ça c'est froid? Bah regarde, je saute. Ah, mais t'as raison, mais t'as raison. Attends, attends. En fait, apparemment, la lave, elle n'est pas vraiment très très chaude vers ici. Et plus on va avancer dans le parcours, et plus la lave, elle est chaude. Ah oui, d'ailleurs. Oui, je crois qu'en fait, je crois qu'elle commence à être chaude vers ici. Regardez-moi ça, les potes. Je vois des blocs de lave qui commencent à voler, etc. Ok, bon. Et bah là, on avait peut-être le droit à l'erreur, etc., de tomber et tout. Mais à partir de la deuxième partie du jump, il n'y a absolument plus le droit à l'erreur, les enfants. D'accord? Hein? Twitch, je te surveille, toi, hein, donc plus droit à l'erreur. Allez, c'est parti, pote. Let's go. Écoute, si tu meurs, tu mourras en idiot. Voilà, allez, c'est parti. Je vais commencer. Je vais continuer un petit peu à avancer sur le jump, les amis. Mais ça risque d'être vraiment très compliqué, hein, parce que waouh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parcours à faire. Hein. Vous avez pu voir, là, je suis maintenant ici. Et bah, les amis, voilà, Lola, est-ce qu'elle a réussi? Vas-y, Lola, essaye. 1, 2, 3. Allez, vas-y, un, vas-y, vas-y, un deuxième. Yes. Allez, c'est parti. Je me mets là. Vas-y, Lola, avance. Allez là, yes! Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non! Tiens, 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 des blocs pour pouvoir monter de l'échelle, tiens. Voilà, c'est bon, voilà, comme ça tu peux au moins remonter un petit peu de l'échelle. Voilà, c'est bon, nickel. Bon. Allez, on va laisser maintenant Lola finir le jump. Voilà, nous on a un petit peu de parcours. On va attendre que Toutoui se ramène, hein, les amis, parce que Toutoui, comme d'habitude, il est toujours dernier, hein. Hein, les amis, ça changera pas d'habitude, ça. Toutoui est à la bourre. Ah ouais, il est en retard, les amis. On le voit même plus tellement qu'il est devant. Allez, vas-y, Lola. T'as dit quoi, Lola? Je dis, je suis plus forte que lui alors que je suis plus petite. C'est plus parce qu'il est bête. Ah oui, parce que tu dis, il est tellement bête qu'il arrive même pas à faire le jump tellement qu'il est gogol celui-là. Oh là là, mais quel débile, hein. Mettez dans les commentaires Toutoui le débile parce qu'il est trop trop bête. Donc voilà, mettez tout ça dans les commentaires et on va attendre que Toutoui bah, charge tranquillement. Bon, les amis, j'arrive pas à voir Toutoui d'ici. J'espère qu'il est en train d'avancer. Toutoui, tu. Allez, vas-y, Toutoui, ça t'entend. Oh, oh, Toutoui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Papa! Ouais? Attends, mais je. Tu vois un trou, Lola? Oui, je vois, il a un trou. What? Les gars, apparemment. What? Les amis, vous avez entendu? Toutoui, il est tombé dans un trou. Tu m'entends, Toutoui? Allô? Toutoui! What, les potes, on n'entend même plus Toutoui? Ok, bon, les gars, je crois que Toutoui, il est tombé dans un trou, les amis, qui ne risquera sûrement pas de réussir à en ressortir. Alors, les amis, ça risque d'être vraiment très, très hardcore les prochaines vidéos, mais si jamais vous voulez contente d'entrer dans le trou à Toutoui, enfin, dans le trou, contente d'entrer dans l'endroit où Toutoui est tombé, et bah, plein de pouces bleus, et... Non, mais... Eh, hey, Lola, c'est qu'on va rentrer dans le trou, genre, où Toutoui est tombé, tu vois, genre, dans la lave, quoi. Oui, ah. Oui. T'as capté, là. Ouais, ouais, ok. Bon, allez, du coup, c'est parti. Nous, on va continuer le jump. Oh là, celui-là, il était dur. Celui-là, il était dur. Allez, c'est parti. Attention, là, il va falloir faire un très, très gros saut. Là, t'es prête? Enfin, là, c'est moi, c'est mon tour. Attends, 3, 2, 1. Wow, à ton tour. À ton tour. Yes. Ah, mais toi, tu perds pas de temps. Tu fais même pas les échelles, toi. Je suis rapide. Je suis un enfant, je suis rapide. Dans les commentaires, mettez-moi tout de suite pour vous qui est le plus fort entre moi, Twinner, ou alors ma fille Lola en jump. Mais les amis, je crois que ma fille Lola, elle est encore plus forte que moi, hein, parce qu'elle fait des trucs trop stylés. Donc maintenant, on va tenter d'essayer d'aller sur cette échelle ici, là. Donc hop là, yes, c'est bon. Ok, on va attendre que Lola revienne. Vas-y, 1, 2... Allez. Hop, c'est bon, les potes, voilà. Lola, pour l'instant, elle a sécurisé bien le... Wow, là, je l'ai pas échappé de très très loin. Hein. Alors les amis, attention, ça va être le dernier jump et je crois qu'il est un petit peu galère, donc attention. Hop, yes, les potes, ça y est, j'ai réussi. Wouhou, allez là, c'est le dernier, c'est le dernier, c'est le dernier. Wouhou, allez, vas-y, viens. Victoire, yes, victoire. Ta 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 ta.
Les potes, c'est beau, on a réussi la première partie du parcours. Donc les amis, ne vous inquiétez pas pour mon fils Toutoui, on ira le libérer dans une prochaine vidéo. Mais pour ça, si vous voulez qu'on le libère, maximum d'abonnements et maximum de pouces bleus tout de suite là maintenant. Je compte sur vous, c'est super 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 important. Et bah du coup bah les potes, nous on va continuer le parcours. Alors là je crois qu'il y a encore des 3-4 petits jumps, Lola. Et après du coup on va arriver sur une nouvelle étape. Lola, t'es prête pour le jump, c'est bon? Oui, je suis prête. Alors fais attention parce que ça, je pense que c'est un petit peu trompeur, tu vois. Donc là, c'est ça, ça. Vas-y, on part, on y va. Ouh, wesh, wesh. Ah ouais, toi, tu fais d'une traite. Vas-y, monte. Ah, vas-y, bah avance. Ouais. Bah écoute, c'est parfait, là. Hop, on va du coup passer par ici, juste là. Tac. Qui les potes, c'est parti, voilà, on vient de, comme vous avez pu le voir, finir le parcours en... Bah en fait, on a fini tout le parcours et là, je crois qu'on arrive à un nouvel endroit parce que comme vous avez pu le voir juste... Alors, hop, on va y aller. Ok, donc vous avez pu le voir juste à droite. Salut, Jigsaw, mais qu'est-ce que tu fais encore une fois ici, toi? Coucou, Twinner! Alors, non, mais s'il te plaît, commence pas à parler comme ça parce que c'est bien que moi, j'ai toujours peur quand tu parles comme ça. Et oui, en plus, t'as vu que ça sent pas très très bon par ici, là. J'ai l'impression que ça sent un petit peu là, les pièges ici, là. Dis-moi, Jigsaw, qu'est-ce qu'il y a dans ces distributeurs, là, que je vois ici, là? Rien du tout, je vais te dire juste un petit truc, tu reviens en arrière, tu meurs. Quoi? Tu dois avancer en survivant. Je dois faire que d'avancer. Exactement. Ah ouais, non, mais ça risque d'être vraiment hardcore. Bon, Lola, dis-moi, est-ce que t'es prête pour faire que d'avancer? Parce que là, je crois qu'on est sur une sorte de death run. En gros, une death run, c'est courir pour ne pas se faire tuer. Est-ce que Lola, t'es prête? Oui, t'inquiète pas, papa, je suis prête. Bon, les amis, juste avant qu'on fasse le death run, qu'on devrait commencer dans quelques secondes, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire, pardon. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un gros pouce bleu pour qu'on aille du coup dans le sous-sol à mon fils Twitwi dans une prochaine vidéo. Ça pourrait vraiment être super intéressant. Et puis, bah, du coup, bah, dès que t'es prête, Lola, moi perso, je suis prêt. Moi, je suis prête, c'est bon. Allez, 3, 2, 1. Go, allez, c'est parti, vite, on est pour. Allez, vite, faut esquiver toutes les épreuves. Non, mais attends. Oula, c'est quoi ça? What? Cours, Lola. Oh, les gars, regarde, en plus, il y a de la lave qui descend. Ouais, ça va. Oh, les amis, regardez-moi ça. Des monstres, les gars. Ah, les potes, vite, continuez à rusher. Ah, du feu, vite, Lola, c'est bon. What? Non, je veux pas aller là-dedans. Non. Jigsaw, libère-nous. Mais où est-ce qu'on va, là, Jigsaw? Libère-nous. Une prochaine fois. Mais attends, mais Jigsaw, où est-ce qu'on va? Hop, ça se ferme. Oh, les amis. Lola, mais où est-ce qu'on est là, les amis? Regardez, il y a Jigsaw qui nous surveille avec une caméra de surveillance. Ok, les amis, je crois qu'on est vraiment dans la merde. Oh, il y a des tirs de partout. Eh bien, les amis, je crois que si je dis pas de bêtises, on part tout droit en direction de la base secrète des monstres. Donc, ça risque d'être une vidéo. Enfin, la vidéo qui sortira demain risque d'être vraiment super effrayante. Donc, dès maintenant, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne et à mettre un gros pouce bleu. En plus, je crois que quand la porte s'ouvrira, on sera obligé de sortir dehors avec les trucs qui nous forcent à aller dehors. Bref, les amis, en tout cas, pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à là, un grand merci à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un gros pouce bleu. Et n'hésitez pas tout de suite à taper Twinner, on trouve la base secrète des monstres pour ceux qui veulent visionner la suite de la vidéo qui sortira, qui normalement quand cette vidéo sort est déjà sortie. Bon, en tout cas les amis, ça a été vraiment incroyable cette vidéo avec Lola. Franchement, elle m'a fait super peur. Si elle vous a plu, mettez plein de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve dès demain, 17h, ou on se retrouve demain quoi pour une nouvelle vidéo. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.